Un petit cœur, s'il te plaît. Ambiance Festival de Cannes hier soir à Cognac avec l'ouverture officielle et la présentation des différents jurys. Ils sont tous là, acteurs ou réalisateurs. Chantal, regarde, ton public. Chantal Lobby, Jean-Hugues Anglade, mais l'homme du jour, c'est lui. Johnny Hallyday, un membre du jury pas tout à fait comme les autres, mais ils seront neuf à devoir élire le meilleur polar 2004 de Cognac sous la présidence du réalisateur américain Roger Spottiswoode. Le polar comme écrivain. Et c'est justement un film made in USA, Taking Lives, avec Jean-Hugues Anglade qui a ouvert le festival. Oh putain non, je le crois pas. Agent spécial Scott ? Oui. On vous attendait plutôt à la crime. Voler des vies, c'est ce que Martin Asher fait depuis presque 20 ans. Moi j'ai marché, moi j'ai trouvé ça superbe. J'ai eu peur au moment où il fallait avoir peur. J'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon thriller. C'était. Ben, moi, j'ai passé une excellente soirée, en tout cas. C'est lui. Il sait que je coopère avec la police. Moi, j'aime tous les polars. J'ai pas spécialement plus américain que français ou allemand ou anglais. Un bon polar, c'est un bon polar. Un bon polar, c'est un bon thriller au départ. C'est une bonne histoire et il faut y croire. Si on y croit, ben, c'est un bon polar. Début officiel de la compétition, ce matin, 7 films à voir, Johnny retrouvera enfin l'anonymat d'une salle obscure. Ça va ?